Salut, guys! On est rendu au chapitre 7 de Fantine, je continue la lecture. Bâton dans les roues. Cette nuit-là, une voiture des postes accroche à l'entrée de Montreuil-sur-Mer une plus petite voiture que tire un cheval blanc. Un homme enveloppé d'un manteau conduit. La roue de la petite voiture reçoit un coup. Le courrier crie à l'homme de s'arrêter, mais le voyageur n'écoute pas et continue sa route. Où va Monsieur Madeleine? Je sais pas si vous en souvenez, mais il avait loué, euh, une charrette, une voiture, comme un, avec un cheval, puis il s'en allait à Arros. Il ne peut pas le dire. Pourquoi court-il si vite? Il ne le sait pas. Il voit, va droit devant lui. ou À Arros, sans doute. Mais il va peut-être ailleurs aussi. Quelque chose le pousse en avant. Pourquoi va-t-il à Arros? Il se répète ce qu'il sait déjà en allant chez flair Il vaut mieux qu'il sache ce qui se passe. On ne peut pas décider sans savoir. Quand il aura vu ce champ Mathieu, quelque misérable, il sera peut-être content de le laisser aller en prison à sa place. Il y aura là Javert et ce brevet, ce de dieu ce Cochepaille, anciens prisonniers qui l'ont connu, mais sûrement qui ne le reconnaîtront pas. Il n'y a aucun danger. Au fond, pour tout dire, il aimerait mieux ne pas aller à Ross. Cependant, il y va. Il fait grand jour quand il arrive à Esdin. Il s'arrête devant un hôtel pour laisser reposer le cheval et lui donner à manger. La bête a fait 20 km en deux heures. Elle n'aime même pas mouiller. Il ne descend pas de la voiture. Le garçon qui apporte à manger au cheval se baisse tout à coup et regarde la roue gauche. « Allez-vous loin comme cela? » demanda-t-il. Puis il se penche de nouveau, reste un moment silencieux en regardant la roue, se relève et dit, « Voilà une roue qui ne fera pas plus euh, pas un kilomètre de plus. »« eh Que dites-vous là, mon ami? »« Je dis que vous avez de la chance de ne pas avoir roulé, vous et votre cheval, dans quelques fossés de la grande route. Regardez plutôt. » M. Madeleine regarde et voit que l'homme a raison. Mon ami, dit-il au garçon, y a-t-il quelqu'un ici qui puisse réparer cette roue? Ah, oh, sans doute, monsieur. Rendez-moi le service d'aller le chercher. Il est là à deux pas. Hé! Hey, Maître Bourgaillard. Maître Bourgaillard est sur le devant de sa porte. Il vient regarder la roue. Pouvez-vous réparer cette roue? Ah oui, monsieur. Quand pourrais-je repartir? Demain. Il faut que je répare dans une heure au plus tard. Je paierai tout ce qu'on voudra. Ah, impossible pour aujourd'hui. Il faut refaire toute une partie de la roue. Est-ce que vous n'aurez pas une roue à me vendre? Je pourrais repartir tout de suite. Oh, je n'ai pas une roue toute faite pour votre voiture. Deux roues ne vont pas ensemble comme on veut. Alors, vendez-moi deux roues. Monsieur, toutes les roues ne vont pas à toutes les voitures. Je n'ai pas de roue qui aille à cette voiture et il n'y en a pas dans ce petit village. Y aurait-il une voiture à me louer ou à me vendre? J'en ai pas! Alors, j'ai un cheval. Mais ce cheval se laisse-t-il monter? Ah, c'est vrai, vous m'y faites penser. On ne peut pas le monter, mais je trouverai bien dans le village un cheval à louer. Un cheval pour aller à Arras dans la journée? Il faudrait l'acheter d'abord, car on ne vous connaît pas. Mais à vendre ou à louer pour 500 francs ou pour combien, vous ne le trouveriez pas. Y a-t-il un de voiture? Non? Monsieur Madeleine sent une grande joie. Il vient de faire tous les efforts possibles pour continuer son voyage. Comprenez-vous qu'est-ce qui se passe? Il essaye, il essaye, il sent coupable, right? Mais oh, colline de il a que je peux faire. Oh, ben, well. s'il ne va pas plus loin, ce n'est pas de sa faute. C'est celle de Dieu. Il respire. Il respire librement et à pleine poitrine pour la première fois depuis que Javard est venu lui parler. Si M. Madden avait parlé dans la cour de l'hôtel, les choses en seraient restées là. Mais à l'entrée d'un hôtel, dans une rue, il y a toujours des gens qui écoutent. Une vieille femme lui dit Monsieur, vous voulez louer une voiture Oui. Et il ajoute rapidement Mais il n'y en a pas dans le pays. Ah, si, dit la vieille chez moi. La vieille en a fait une sorte de très vieille voiture. Mais cette voiture roule sur deux roues et peut aller à Ross. M. Madden paye ce qu'on veut, monte et reprend la route qu'il suit depuis le matin. Il a perdu beaucoup de temps à Esdin. Le petit cheval est courageux, il tire comme deux. Mais on est au mois de février. Il a plu, les routes sont mauvaises. Puis, ce n'est pas la plus légère voiture de Scaufflaire. Il faut plus de quatre heures pour aller d'Esdin à Saint-Paul. Quatre heures pour vingt kilomètres. À Saint-Paul, il s'arrête au premier hôtel venu, fait donner à manger au cheval. Une heure après, il quitte Saint-Paul. Il ne s'arrête pas à Tank. Mais comme il en sort, un ouvrier qui en pierre la route lève la tête, regarde le cheval et dit Vous ne savez donc pas que la route est en réparation Vous allez la trouver coupée à un kilomètre d'ici. Vraiment Tenez, monsieur, voulez-vous que je vous donne un conseil Votre cheval est fatigué. Rentrez dans Tank. Il y a un bon hôtel. Couchez-y. « Vous irez demain à Arras. »« Il faut que j'y sois ce soir. »« Alors? »« Allez tout de même à cet hôtel. Prenez un autre cheval faites-vous montrer le chemin. » Il suit le conseil qui lui est donné, va à l'hôtel et, une demi-heure après, repart avec un deuxième cheval. Il fait tout à fait nuit. Les chemins sont très mauvais. La voiture saute d'un trou dans l'autre. La plaine est sombre. Des brouillards bas et noirs passent sur les bois comme des fumées. Un grand vent qui vient de la mer fait un bruit de meubles remués. M. Madeleine a froid. Il n'a pas mangé depuis la veille. En ce moment, il se rend compte pour la première fois que toute la peine qu'il prend est peut-être inutile. Qu'il ne sait même pas l'heure du jugement. Ça, peut-être qu'il ne va même pas être là à temps. Tu sais, c'est pas quand est-ce que Jean-Mathieu va être condamné à prison pour la vie? Que Reddy au moins la demander. est fou d'aller ainsi devant soi, sans savoir si cela servira à quelque chose. Les tribunaux ouvrent d'habitude à 9h du matin. Il va arriver quand tout sera fini. Fantine peut-elle guérir? À l'hôpital? Juste un instant, OK? Mon chien est dans l'eau, là. Je veux juste aller checker dessus. OK. Je suis revenu. Il est correct. OK. À l'hôpital, Fantine parle à la sœur. Elle dit ⁇ Ma bonne soeur, voyez-vous, je suis très contente. Monsieur Madeleine est bon. Il est allé me chercher ma petite Cosette à Montfermeil. Ma soeur, ne me faites pas signe de ne pas parler. Je suis très heureuse. Je vais très bien. Je n'ai plus mal du tout. Je vais revoir Cosette. Il y a cinq ans que je ne l'ai pas vue. Et puis elle serait si gentille, vous verrez. « Ah, oh, elle doit être grande maintenant. Sept ans. C'est une demoiselle maintenant. Mon Dieu, comme on a tort d'être des années sans voir ses enfants. Oh, comme il est bon d'être parti, monsieur le maire. Il serait ici demain avec Cosette. Je vais verrai Cosette demain. Vous voyez, ma bonne soeur, je ne suis plus malade. Je danserai si on voulait. Entre sept et huit heures, le médecin vient. Il en doucement et avance vers le lit. Il voit de grands yeux sombres qui le regardent. Donnez-moi votre main, dit-il. Elle tend son bras et s'écrie Ah, tiens, c'est vrai, vous ne savez pas. Je suis guérie. Cosette arrive demain. Le médecin s'étonne. Sa malade va mieux. La fièvre est tombée. Une sorte de vie est revenue dans ce corps à bout de force. Le médecin, en s'en allant, dit à la soeur Cela va mieux. Si M. le mort arrivait demain avec l'enfant, qui sait? Il y a des choses si étonnantes. On a vu des grandes joies arrêter des maladies. Je sais bien que cette maladie est très sérieuse, mais nous la sauverons peut-être. Le voyageur arrive et repart. Chapitre 8 Il est près de huit heures du soir quand la voiture que nous avons laissée en route entre sous la porte de l'hôtel à Arras. L'homme que nous avons suivi jusqu'à sa moment descend. Il a mis quatorze heures pour arriver au lieu de huit heures. C'est pas ta sa faute. Il est content. Il sort de l'hôtel et marche dans la ville. Il ne connaît pas Arras. Les rues sont noires. Il va droit devant lui. Un homme avance, une lampe à la main. Il décide de lui parler. Monsieur, dit-il, le tribunal, s'il vous plaît, ça c'est la cour, la the courthouse, OK? Ah, vous n'êtes pas de la ville, monsieur, répond l'homme. Eh bien, suivez-moi, je vais me. Moi-même de ce côté. Chemin faisant, l'homme dit Monsieur arrive bien tard. D'habitude, c'était fini à six heures. Cependant, comme il entre sur la grande place, il montre quatre longues fenêtres éclairées. Ah Ça, monsieur, vous arrivez à temps. Vous avez du bonheur. Voyez-vous ces quatre fenêtres? C'est là que se tiennent les juges. Il y a de la lumière. Donc, ce n'est pas fini. Tenez, monsieur, voici la porte. Montez le grand escalier. C'est ce qu'il a fait. Quelques minutes après, il est dans une grande salle où il y a beaucoup de monde et où, par groupe, des gens mêlés à des avocats en robe parlent à voix basse. Cette salle est éclairée d'une seule lampe. Une porte la sépare de la grande chambre où sera la justice. Il se mêle à un groupe et écoute qu ce qu'on dit. Il y a de nombreuses affaires à juger. Le président veut en finir aujourd'hui avec les deux premières. La première est jugée, mais n'en passe la deuxième, celle d'un vieux. Il a volé des pommes, croit-on? Et ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà été à la prison de Toulon. Il y a encore à attendre les avocats. Cela ne devrait pas finir avant minuit. L'homme devrait être condamné. Quelqu'un se tient devant la grande porte. Monsieur Madeleine lui demande. Monsieur, la porte va-t-elle bientôt s'ouvrir? Elle ne s'ouvrira pas, lui répond-on. Ah, comment La salle est pleine Quoi Il n'y a plus de place Il y a bien encore deux ou trois places derrière M. le Président, mais pour des gens importants. Cela dit, on lui tourne le dos. Il se retire, il traverse la salle, redescend l'escalier lentement. Il tient conseil avec lui-même. Il ne sait toujours que faire. Il s'arrête, ouvre son manteau, en tire un crayon, déchire une feuille et écrit rapidement. Monsieur Madeleine, maire de, de montreuil sur mère. Puis, il remonte l'escalier à grands pas, marche droit devant la porte de la deuxième salle, excuse-moi, okay, remet le papier à l'homme qui le garde et lui dit Portez ce papier à Monsieur le Président. Un instant, OK? OK, désolé, je suis revenu. OK, je vais reprendre une phrase. Puis, il remonte l'escalier à grands pas, marche droit derrière. Marche droit vers la porte de la deuxième salle, remet le papier à l'homme qui le garde et lui dit Portez ce papier à Monsieur le Président. L'homme prend le papier, il se jette un coup d'œil et obéit. OK. Là, je vais m'arrêter là juste à cause qu'il ne me reste pas jusqu'à quelques minutes, OK? On se revoit dans le prochain enregistrement.